Et yo les frérots, j'espère que vous allez tous très très bien. Bon, je pense qu'il serait temps de mettre du respect sur le nom de Nappa. Alors c'est pas parce que Nappa n'est pas une fusion, n'est pas un Gogeta, n'est pas un perso giga hype qu'il n'a pas le droit, mais bon, vous avez compris la blague, d'être un très très bon personnage. Voici ce qui est selon moi, pareil, c'est dans le top 5 des persos les plus sous-cotés du jeu. Qui joue Nappa? Personne, tout le monde en fait, quand on joue Nappa, on en rigole. Mais vraiment, c'est un excellent perso, c'est un très très bon perso. Et bah tout simplement, on va pas se mentir, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il s'appelle pas Gogeta, qu'il s'appelle pas Vegeto, qu'il a pas les cheveux bleus, etc. Et tous ceux qui seront fans de Dragon Ball, de tout ce qui est début Dragon Ball, etc. Et même les puristes me diront, tu as raison, c'est clairement parce que c'est un Nappa qu'il est pas aimé. Alors que pourtant le perso est quand même extrêmement bon. Alors les stats de Blast sont extrêmement mauvaises, mais vous allez voir un perso qui est extrêmement puissant. Beaucoup de Kaizenkai à sa disposition. Il passe à travers les blasts sur les strikes. C'est quelque chose qui est pas mal pour un perso All-Star quand même. Une spé qui peut monter à 80% de dégâts. Une verte qui redonne une ki, qui redonne deux cartes du ki. Le main du ki, la vitesse de pioche, du soin. Il pioche une spé extrêmement fort. Derrière le perso, je rappelle qu'il a un truc pour ceux qui ne le connaissent pas, et je vais essayer de vous le faire découvrir pour les gens qui ne le connaissent pas. Déjà, c'est un mélange en fait de Kefla et de Gogeta Blue. Et pourtant, c'est bien Nappa. Pourquoi je dis ça? Kefla vert, je vous rappelle, elle a les blasts en main qu'elle transforme en strike. Ce Nappa fait la même chose. Ensuite, le perso a 80% de dégâts entrés en scène. Excellent. Et ensuite, le perso, pourquoi je dis que c'est un Gogeta Blue un petit peu? Parce que le perso, il a 3 anti-covers de 15 secondes lors de ses 3 premières entrées en scène. Et ça, c'est exactement ce que fait Gogeta Blue. Alors, on en parle souvent quand c'est Gogeta Blue, mais vu que c'est Nappa, eh ben on n'en parle pas. Alors que pourtant, le perso, vous allez voir, je pense que vous allez vite réfléchir. Et il y en a peut-être certains qui vont dire, bah c'est pas mal de le jouer. Alors oui, c'est vrai que bah, défensivement, le perso ne t'apporte pas ce que certains persos peuvent t'apporter. Notamment en termes de tankiness pour un Rising Rush, d'entrave, de tout ça. Mais c'est pas le perso qui fait pour ça, le perso pour coup. Et là, pour taper, vous allez voir qu'il le fait quand même plutôt très bien. À chaque carte, on se soigne de 3% et on met des dégâts physiques en plus. Donc vous allez voir, le perso fait très mal. On va le jouer en plus de ça dans cette team-là. On va le jouer avec une Kaizenkai, 2 Goku Namek évidemment. Après on joue en Blue Blue Purple tout simplement avec Yajirobe et Freezer, parce que je rappelle Freezer n'a pas armé de Freezer. Et donc en leader ça fonctionne extrêmement bien. Et Yajirobe qui va mettre une capacité HP sur tout ça. C'est franchement une team très très intéressante. Ça va pas en God, ou alors ça va top Dimi si vous jouez bien. Bref, ça c'est pas le sujet. Encore une fois, le but c'est de se faire plaisir et surtout essayer de vous sortir des persos qui sont peu joués, pour que les gens comprennent. Et que bah c'est bien d'écouter la commu des fois de ce qu'ils disent et tout, y'a pas de problème. Mais c'est des avis des fois qui sont désastreux. Et même en général les gens ne le jouent pas juste parce que c'est un Nappa. Pourtant ça aurait été un autre perso qui aurait ce kit là, il serait peut-être plus joué. On va pas se mentir. Après ça dépend des teams aussi, parce que c'est vrai que ces teams l'aident pas trop, hein, Saiyan, tout ça. Mais avec le système de leader, armée de Freezer, voilà, armée de Freezer c'est quelque chose qui peut être plutôt bon en vrai. Vegeta Zero, après faut avoir les étoiles. Mais vous allez voir, ce Nappa risque de vous surprendre. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui sont là, je vous souhaite une agréable vidéo et c'est parti go. Bon les gars, en vrai on affronte Famille Goku et ça je vais pas m'en plaindre parce que c'est plutôt une bonne chose pour moi. Donc toujours commencer avec Yajirobe, comme ça derrière vous avez la cover possible sur Freezer et l'anti-cover de Nappa. Donc non, franchement vous allez voir la team tourne très bien. Bon allez c'est parti les gars, on a un match-up de fou avec Nappa là. Ah non mais vraiment, faut pas que je win ma game, hein, mais là le match-up est fou. Hein. Ok, on va laisser taper un petit peu Yajirobe. Oh le combo qu'il nous fait déjà. Il est bien. Ok. J'ai pas eu pas de côté ici. Ok c'est bon. Il est là et la première tarte de Nappa elle est présente. Et regardez-moi les dégâts qu'il va faire au perso là. C'est juste du grand n'importe quoi. On va break ici. Ok. Bon, ma première entrée en scène plutôt sympa. 1,6 million de dégâts là-dessus. Ok, on passe à travers les blasts. Ok, parfait. C'est parce que c'est Nappa, hein. On va être en mode ouais c'est normal. Ah je suis mort non. On est pas mort. Incroyable. Attaque direct. Aïe aïe aïe. Ok. On va pouvoir spé ici, c'est cool. Oh il tue. Ok. Je pensais pas du tout qu'il allait tuer le perso ici. Ah Famille Goku en vrai ça tank pas des masses des masses. Je pense qu'on a le LF. Ouais bah la game de taré. Là c'est une game de grand malade qu'on va faire. Bon bah Nappa nous a fait gagner la game hein, tout simplement. Parce que bah le main qui donne la vitesse de pioche, on a fait qu'un seul. Enfin première entrée en scène. Voilà. Une entrée en scène de Nappa, l'aspect sur Gohan était sympa. Il était en cover Gohan je crois.
Donc il cut 40% de dégâts, donc autant vous dire que s'il avait, c'était un vrai combo ou quoi, ça aurait été assez ouf, mais bon, première game, en vrai, ça me surprend même pas tant que ça, vous le voyez, parce que je sais de quoi il est capable, le perso, hein. Et on parle de Narpal. Je trouve ça toujours super cool de vous partager des vidéos de personnages un petit peu comme ça oubliés, parce que il y a toujours une partie d'entre vous de la communauté, je sais très bien qu'ils jouent pas au jeu de manière tryhard, et qu'ils jouent juste de manière fun, et qui, genre, kiffent jouer Narpal. Je suis certain qu'il y en a dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester d'ailleurs, et je suis content de vous, pas de vous représenter, mais... Ouais, de vous faire un petit clin d'œil, de vous dire, bah voilà, il y a des persos comme ça, je vous comprends quand vous dites qu'ils sont forts, il y en a qui vous rient au nez, alors que non, en fait, ils sont vraiment forts, et même, je vais prendre l'exemple de Goresh, hein, qui a loué énormément ce personnage, pourtant, ça n'a pas été suivi, et le perso n'est pas vraiment... Bon là, la team est extrêmement étoilée en face, il y a quand même deux cover strike, donc on peut dire, c'est pas foufou, et au final, vous allez voir que... Et bah c'est loin d'être si mauvais que ça en vrai, hein, parce que là, bon, évidemment, là, les dégâts, enfin, ça va élever, c'est moins ça, hein, on va pas se mentir non plus, on va pas faire les... Dommage, dégâts de spé qui auraient été... Oh, on a une autre spé. Ferme à ça. Ça fait mal, hein. Oh, la spé du... Oh, là, il y a Giro Beka. Oh non. Oh, s'il tue. Oh, c'est incroyable. Oh, let's go. Un million de dégâts, il le tue, ouais, il le tue. Ah non, l'esquive. Ok, cover. Et la team, c'est loin des dégâts. Regardez les malus qu'il a sur la tête en face. Ok. Allez, on met... voilà, on fait ça. On main, on a vitesse de pioche. Les strikes qui donnent l'anti-cover. On a plus qu'à Rising Rush et bah, on a quasiment gagné la game. Face à PPP. On a littéralement ruiné notre adversaire, mais vraiment. Là, on va mettre le maximum de boost de dégâts. Il fait mal. C'est qui fait mal le Giga Goat. Allez, on va mettre, on va lui cracher un déflagration là de Draco Feu là. Allez, let's go, ça passe. Non, franchement, y a rien à dire. Hein. Le perso fait très très mal. La team tourne bien. Yajirobe était incroyable. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir de voir ça. C'est-à-dire le tag se faire arracher par Yajirobe. Il a mis 1,2 million sur l'aspect. Enfin bref, c'est toujours cool. Ça, il faut rendre les armes, bref. C'était un deuxième LF. Bon, bah la team tourne bien parce que t'as des vertes d'espé, des vertes d'espé. Et sur Napa, l'espé c'est fort. Et les vertes aussi. Les vertes lui permettent de combo. Les vertes. D'ailleurs, les vertes de Yajirobe sur Freezer LF, qu'est-ce que c'est fort aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est monstrueux. Bon, les gars, cette team c'est moi. Hein. On est d'accord. Si vous la voyez alors, vous... c'est pas pour mettre mon copyright, mais je suis le seul mec de l'univers à jouer Napa. Bon, on retient. Là, il y a une petite signature enfin. Là, parce que c'est. Non, non, c'est très bonne team. En plus, là, on joue. En fait, soit il joue double vert et on est bien avec Freezer, soit il joue double rouge et dans ce cas-là, non, il va jouer double vert, là, je pense. Ah, c'est moins cool pour notre gentil Napala. Bon, le double rouge, là, il va être débile. Par contre, à chaque fois que je dis Napala, on dirait que je dis un Impala. Vous savez, c'est un animal. Voilà, ouais, ouais, carrément. Et là, ce qui est trop fort, c'est faire ça. Parce que là, vous réduisez temps en temps deux fois, d'ailleurs. Allez, Yajirobe, lâche rien, mon ref. Et là, regardez derrière. On a Napa qui est là et Gata, il pourra rien faire. Oh non, mais c'est ma team. Hein. C'est ma team. C'est ma team. C'est mort. Non, mais c'est incroyable. On va break ici. Oh non. Ok. Vas-y. Mets lui la sauce ultime. Spé. Il est mort, s'il le laisse. Ok, let's go. C'est n'importe quoi. Ah, quel kiff cette team! Putain, mais ce qu'on est en train de faire dans ce showcase? Ok, on va mettre Yajirobe, on réduit temps d'attente, c'est pour ça que. Il fait mal la rosée quand même, hein. En vrai, il fait mal, perso. Ok. Je pense qu'il va nuler Fetty parce qu'il sait très bien qu'il va se faire arracher. Hein. Oh non! Oh le perfect, il est dégueulasse! Bon, après, j'ai que des strikes en main, donc c'est chiant. Hein. Oh non! Qu'est-ce que je viens de ruiner ma game? Bon, bah, j'ai ruiné ma game sur ce Switch. Non, je veux m'avancer. Ok, c'est bon. Allez, le clash ici. Bon, par contre, Vados... Hein? Quoi? Quoi? Vados, quoi? Ok. Bon, Gat, il a fait la game déjà, le perso, donc c'est cool. Ok. Main. On clique pas derrière, hein, ça veut nous rapporte une carte verte. On a gagné la game. Hein. Ah, mais je vais ruiner la game. Si, vous savez ce que je veux faire, mais je vais. Non, mais il tuera jamais. Hein. Pourquoi je fais ça? Je vais perdre la game. Il tuera pas là.
Mais tu veux pas. J'aurais dû reset combo et le problème c'est que je vais perdre la game. Bon, c'est pas grave. Wow, ça joue tellement rien. Ah bah. C'est peut-être remboursé. On n'était pas si loin que ça. J'aurais reset, j'avais largement le kill. Bon bah, troisième game qui se passe plutôt bien. En vérité, non, mais n'a pas été incroyable. Encore une fois, hein, la pression qu'il a mis sur Gatai, c'est énorme. Après, on l'a perdu le perso parce que j'ai fait un peu de la merde. Bon, en vrai, le clash à 999, je fais pas de la merde. Bah, pour le coup, c'est lui qui fait un très bon clash. Donc, GG à lui. Mais encore une fois, bah, le perso avec l'anti-cover, c'est très. Oh non, vous savez, quand je me frotte la moustache comme ça, c'est que c'est plutôt beau aussi. C'est qu'il y a un truc qui me. Voilà, qui me satisfait. Forcément. Non, mais forcément que ça me satisfait la team d'en face. Donc, voilà, on a un bon match-up. Gauche tableau, va pas être facile à gérer. Mais non, franchement, si on arrive à attraper Rosé au mauvais moment pour lui, je pense qu'il va prendre très cher. Ok. Alors là, comment c'est face à une Vado, c'est vraiment parfait. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on fait ça. Et on va. Ah là là, dommage. Ok. Ah, il n'y en a pas. Bon, bah, il est mort, hein. Ok, bon là on a plus de violet en face, donc ça c'est cool, voilà, il a voulu grid un petit peu, il a laissé trop longtemps Vado, c'est Vado s'est fait détruire là, 3 millions, d'accord. Allez, vas-y mon ref. On voit la sauce, il y a Jérôme inarrêtable. Eh, c'est pas mal, hein. C'est loin d'être mauvais en vrai. J'ai tellement envie de garder la verte pour Nappa. Pas de côté ici, bah il est mort. Ok, merci, au revoir. Donne-moi une strike là, s'il te plaît, ça serait gentil. Ok, nickel. C'est... Ah, il va. Malheureusement. Ah, il va taper attaque. On va carte verte et il est mort. Hein. Encore une fée. Putain, je suis mort. Il est mort. Changement de game parce que là je vais. Eh bah dis donc, Gata il a envie de se faire rooster le perso parce que déjà là il a pris une spé du futur. Il a envie de se faire rooster donc non, en vrai de vrai, regardez ce qu'il m'a avec la team, c'est que vous êtes en 6-4 donc déjà vous avez plus de strike que de blast pour commencer. Mais n'a pas il est transforme donc c'est un peu comme Kefla verte à l'époque, on s'en fout. Et t'as 2 vertes, 2 spé, du coup ça permet d'être un peu équivalent. C'est pas comme si t'avais 3 spé par exemple, tu peux avoir avec Bulma ou autre comme ça. Là t'as vraiment 2 vertes, 2 spé donc ça équilibre un peu. Et les vertes et spé de chaque perso sont très très fortes en fait. J'en vois pas qui sont pas vraiment fortes en fait. Jirobe c'est fort, verte spé c'est fort, la verte il soigne la team et tout. Non, franchement c'est carré. Bon, c'est parti, il a pas joué Gataya. C'est en vrai, bon, je comprends. Je comprends. Ah, je suis un peu con de m'être jeté là-dessus. En vrai, de vrai, on va mettre Nappa là-dessus. Regardez, il va quand même bien tranquer le Jiren. Oh, c'est bien joué, putain. Là, je suis obligé de mettre Freezer. Hein. Oh, sa mère. Ok, j'ai du soin dans la team avec, le main de Nappa et les vertes de Yajirobe. Donc, il m'en faut des vertes de Yajirobe déjà. Ok, vas-y, on va le... Franchement, je vais le mettre ici, Yajirobe. Hein. Pardon, Yajirobe, pardon. Ah mais Yajirobe, faut t'arrêter, hein, parce que tu fais... Là, tu sais que tu fais mal, quand même. Ok. Je vais break ici avec Freezer. Ok. Franchement, je vais pas tenter l'ulti, parce que... En fait, le problème de mettre l'ulti là, oui, c'est que... avec Vegeta, il va... Ouais, ça c'est fort. Allez, passe. Je pense qu'on a le kill. En fait, c'est que les gars, il avait la nullification avec Vegeta. Du coup, je l'ai mis, je l'aurais tué. Donc, c'était une prise de risque, mais ça peut être fort. Hein. On est en train de jouer double vert face à Nappa. C'est pas très cool, par contre. En vrai, de vrai. Peut-être le RR, mais ce serait pas trop embêtant. L'esquive directe. Ah, là, l'esquive directe qui va être puni ici. Et c'est normal. Je pense qu'il tue pas. Il a Jérôme le tank ou pas? Attendez. Non, il tue. Oh, putain, je me suis enflammé. Désolé, les frères. Ah, je suis désolé, c'est ma faute. Là, je me suis enflammé. Ok. Il est esquivé là. On va peut-être même prendre une verte, non?
Ok, bien joué. Là, je pense qu'il va me RR. Donc, le R, ça peut être une verte. Hein. Seulement, depuis tout à l'heure, je cherche la verte de Jiren et elle vient pas en fait. C'est pour ça que je joue un peu. Enfin, c'est là où Jiren est trop fort. C'est que t'as pas envie de prendre la verte et Rising Rush. Du coup, je fais attention à ce que je fais. Et elle n'est pas là. Donc, bah, la verte ne sera pas là de. Putain, c'est bizarre, mais ok. Dommage, parce qu'au final, nous, si notre verte, elle aurait touché là, ça aurait été sympa. Ok. Ici, il nous reste l'aspect à mettre pour tuer Vado. C'est derrière, c'est le duel du chauve, les gars. C'est le duel du chauve. Non, mais il joue bien en vrai, l'adversaire. C'est cool. C'est une belle game. L'adversaire joue plutôt bien. On n'a pas un match-up qui est pour nous en vrai. Ça va. C'est correct, mais c'est pas à foufou. Ok. Ah, c'est mérité. Très bon clash. J'ai rien à dire. Très très bon clash de notre adversaire ici. Ok. Dommage, il va gagner. J'ai un peu de remords sur celle-là parce que je pense que je peux vraiment mieux faire. On va en faire une dernière pour terminer sur une bonne note, mais je pense que je peux vraiment mieux faire. En fait, le clash, je le gagne. Je pense que je suis pas loin de gagner la game. Je suis pas très loin, mais bon, c'est pas grave. On va confronter notre team Future, qui est une des meilleures teams du jeu. Voilà, pour commencer, donc bah au moins là, on est clair et net sur cette game. Sur cette dernière game, là, va falloir bien jouer parce que sinon, c'est compliqué de s'imposer. On n'a pas tant de ça d'annulation là sur vos KO, mis à part avec Freezer, donc faut voir. Bon, allez. C'est parti, bah voilà un autre match-up, j'ai envie de vous dire. Attends qu'on. Oh, bien joué. Très bien joué ici, hein. Franchement, rien à dire. Ok, ça c'est cool. Ça c'est hyper cool parce qu'on va réduire le temps d'attente en fait, regardez. Là, avec Freezer, on réduit le temps d'attente. Et là, on met Yajirobe, on réduit encore d'une seconde. Donc c'est pas énorme à première vue comme ça, mais c'est pas mal. Ok. Alors là, on va faire peut-être un enchaînement de spé, il y a moyen. Parce que là, on va spé là. Ah, le main n'est pas. Oh les dégâts. Le main n'est pas disponible. Ok, il a été surpris là-dessus. Allez, n'a pas, on envoie la sauce, moi. Allez, vas-y. Oh. Non, mais pardon. C'est en vrai, c'est n'importe quoi. Qu'on soit bien d'accord, c'est du grand n'importe quoi. Ok. Bah c'est pas possible, sérieux, enfin je veux dire, au bout d'un moment je vais pas faire 990 à tous mes clashs, tous mes adversaires sont 990 au clash, ils sont trop forts. Comment vous faites les gars, mais vraiment c'est exceptionnel. Enfin je peux pas faire 990 à tous mes clashs, je fais 975 et même comme ça, 3 clashs qui passent pas. Bon wow. Oh non. Ah c'est chaud là, allez, on lâche rien les gars. J'ai pas mes spé là, oh là là sa mère. Oh. Ok, je rappelle qu'on unifie là. Ok. Enfin. Ok. Va falloir mettre des cartes les gars. Et j'espère qu'il cover pas sur Trunks, mais il va falloir mettre des cartes et ulti derrière, hein. J'ai pas le choix. Allez, il faudrait un petit peu plus de dégâts à la Freezer. Hein. Sur l'enchaînement, encore une fois. Hein. Sur l'enchaînement, je peux pas mieux faire. En plus, j'ai la verte qui vient au bon moment grâce à Yajirobe. Ça serait n'a pas qu'on aurait fait la game en vrai, de vrai. Bon, lui, c'est pas mal. Let's go. Ça passe. Non, mais il est en train de péter un peu l'adversaire. L'aspect, on prend le kill. 1,8 million. Ok. Bon là il va soit RR, soit, soit ulti. Attendez parce qu'on a la verte de Freezer, ça peut être incroyable. Là je pense qu'il a le kill hein. Faut voir, parce que là l'aspect tue. On est bien, hein. on est plutôt bien dans la game, faut voir. Sinon je vais verte avec Freezer au pire. Ah il a le kill hein, Freezer, pardon. Trunks enfin, c'est vraiment fort. Et bah là Oh, eh, hey. Oh. Et voilà. C'est n'importe quoi, je suis vraiment une merde. Bon, bah en tout cas, les gars, je sais qu'est-ce qui va se terminer ici. N'a pas été exceptionnel face à Rosé. Hein. Rosé qui aura rien fait de la game à cause de Snappa. Il aura mis très cher à Miragonen. Donc voilà, j'espère que cette petite compo et cette team vous aura plu. N'oubliez pas, si jamais vous voulez la jouer ou quoi, que ça se passe bien, vous avez des games à me montrer. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Twitter. Alors je les garde pas tous. En vérité, je peux pas faire genre le mec. Mais c'est toujours un plaisir de voir que des gens utilisent ma team et tout. Je vois des fois des petits extraits sur Twitter. C'est plutôt sympa. Donc comme quoi, des fois, c'est plutôt cool. Merci à vous, les gars. Et bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez très bien
bien de votre journée. Et ce soir, match du Portugal, je crois. Donc on va regarder ça. Vive Ronaldo. Allez, ciao.